Ce matin-là, dans la cour du centre de formation militaire de Verdun, résonne le chant des tirailleurs. Dans les rangs, 47 jeunes, entre 17 et 26 ans, tous engagés volontaires pour servir la France. 12 semaines qui feront d'eux des soldats de l'armée française. Cette formation, c'est le passage de la vie civile à la vie militaire. Depuis les vagues d'attentats, l'État a décidé de renforcer la sécurité des Français. Le recrutement de l'armée est passé de 10 000 à 15 000 soldats par an. Une augmentation des effectifs qui a également nécessité un effort dans la formation de ces futurs soldats. Chaque année depuis 4 ans, ce sont désormais 1200 jeunes engagés qui passent par Verdun. Il existe une dizaine de ces centres dans toute la France. Aujourd'hui, c'est pour beaucoup d'entre nous la première cérémonie des couleurs, de nos trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Vous vous êtes engagé, volontaire. Personne ne vous a forcé. Comme tout volontaire, l'on se doit, en toutes circonstances, quelle que soit son ancienneté de servir avec fidélité ses chefs. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui désirent quitter l'institution parce qu'ils viennent de se rendre compte que l'institution n'est pas faite pour eux. Si vous décidez de partir, levez la main, dites « je veux partir ». On fera les choses réglementairement, correctement et vous partirez avec honneur. À commandement. Garde vos ! Malgré ce que peuvent penser certains, nos jeunes, pour beaucoup d'entre eux, se sentent concernés par la défense de leurs concitoyens et de leur patrie. S'engager dans nos armées est un moyen de participer à cet effort collectif au service de la France. C'est bien cette volonté de servir et ce sens du devoir que l'on retrouve dans les paroles de ces engagés volontaires qui, malgré leur jeune âge, se sentent pleinement concernés par les questions de sécurité du territoire national, mises à mal depuis les attentats. Déjà informé sur l'armée et par la suite avec les attentats et tout ça, c'est là que vraiment je me suis mis à l'initiative de m'engager. J'avais déjà l'idée de m'engager, mais après oui, ça booste bien. Elle m'a beaucoup énervé, moi. On s'attaque aux familles, aux enfants, je pense à rien. C'est vrai que quand j'étais dans la rue, que je voyais des sentinelles qui nous protégeaient, ça a fait que motiver parce que je me disais, moi je veux être à leur place, je vais faire la même chose qu'eux. Sans soldats, on ne peut pas protéger notre pays. Depuis janvier 2015, la menace terroriste est une réalité à laquelle les Français sont durement confrontés. Les soirées du vendredi 13 novembre 2015 et du 14 juillet 2016 resteront pour tous marquées par l'horreur. Le choc est terrible et le deuil national. Pourtant, face à ce terrorisme, beaucoup se sont élevés pour défendre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité en s'engageant. Vous allez recevoir votre FAMAS ! Votre arme qui fait de vous des soldats au service de la France, des militaires à part entière. Apprenez à vous en servir, soyez-en dignes et sachez l'utiliser pour la gloire des armes de la France. La semaine suivant les attentats de Paris, l'armée de terre a reçu 1500 demandes par jour d'engagement volontaire, trois fois plus que les chiffres habituels. L'État a décidé la création d'une garde nationale, un vivier de volontaires venus du civil. Aujourd'hui, ils sont plus de 71 000 réservistes. Le fait de vouloir m'engager dans l'armée, c'est aussi ma manière de réagir aux attentats qui ont été faits contre la France, contre le pays. Avec une particularité, 21% d'entre eux sont des femmes. Un véritable élan du peuple en armes qui marque la volonté d'implication de la population dans la sécurité et la défense de leur pays. Avec la tenue, on reste une cible un peu plus importante. On est là justement pour aider la population à ne pas avoir peur. Et bon, bah, nous, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir peur. Un engagement citoyen qui ne s'est pas constaté que dans le domaine de la défense. C'est le cas des bénévoles de la protection civile qui aident, portent secours et forment les populations en cas de crise ou de catastrophe. Des hommes et des femmes dont le courage s'est illustré lors des attentats.
Bien sûr, j'y pense. C'est la première fois que je remets l'uniforme sur la promenade des Anglais. Donc c'est une émotion particulière pour moi. Et on n'oublie pas. Chaque année, environ 400 000 diplômes de secourisme sont délivrés par les bénévoles d'associations de sécurité civile. Un effet de résilience qui se constate aussi auprès des plus jeunes. Bah, des connaissances pour savoir sauver éventuellement des vies. Et bah, même pour sauver des gens qu'on ne connaît pas ou des gens qu'on connaît ou des amis, par exemple, dans la cour. Alors, cœur sur la main ou arme au poing, comment ces Françaises et ces Français marqués par les attentats construisent leur engagement de demain? Portrait de ces citoyens, nouveaux héros du volontariat. Retour à Verdun, au centre de formation des militaires du rang. Pour ces 47 jeunes hommes et femmes, aujourd'hui est un grand jour. Après deux semaines de cours théoriques et pratiques, ils vont se voir remettre leur armement, le FAMAS. Vous allez recevoir votre FAMAS, votre arme qui fait de vous des soldats au service de la France, des militaires à part entière. Apprenez à vous en servir, car il vous servira à vous protéger et à protéger vos frères d'armes. Soyez-en dignes et sachez l'utiliser pour la gloire des armes de la France. Un fusil d'assaut qu'ils garderont tout au long de leur instruction. Pour la plus grande majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils ont entre les mains une véritable arme de guerre. C'est pas trop impressionnant ? Je le voyais plus impressionnant en photo. La nouvelle femme, on a dépassé sur le La nouvelle femme. Mais derrière les sourires et l'excitation, tous gardent à l'esprit l'enjeu de leur formation. C'est un outil de travail, on apprend à s'en servir. Maintenant, c'est beaucoup de responsabilité, mais on y arrivera tous à le tenir en main. Comme un chef. Si on nous donne, c'est qu'on nous fait confiance, et si on nous fait confiance, c'est qu'on va réussir. Et il n'y a pas d'appréhension Un petit peu, parce qu'on tient une arme de guerre dans la main. Maintenant, on va apprendre à s'en servir, donc il n'y aura jamais de problème. Et pour apprendre, vite et bien, rien de mieux que l'apprentissage et l'aguerrissement sur le terrain. L'un des points forts de la pédagogie militaire. C'est lors de leur première sortie à l'extérieur de la base qu'ils vont pouvoir mettre en application les premiers cours qu'ils ont reçus. On part sur le terrain. Donc ça va être notre première nuit en bivouac ce soir. Il y a trois groupes qui montent dans les deux GBC ici. Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mon lieutenant. Bon, on paie les rangs, c'est parti. Il y en a encore, hein, faut aller chercher. Prêt à partir? Ouais, toujours prêt. Pas d'appréhension, pas de... Une petite, comme tout le temps, mais maintenant, on est là pour faire notre travail, et puis on part sur le terrain. Sur le terrain, c'est notre base de notre métier, donc on est content d'y aller. Ok, Golfe 4, Golfe 5, vous attendez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est parti. Direction le bois de la Grive, où ils vont passer leur première nuit de bivouac. C'est là que s'est déroulée la terrible bataille de Verdun lors de la Première Guerre mondiale. Mais depuis cette époque, les métiers de l'infanterie ont bien changé. Pour l'instant, ces jeunes sont au début de leur instruction. Après ces trois mois à Verdun, ils intégreront leur compagnie de combat, le 1er régiment de tirailleurs. C'est lors de cette deuxième étape de la formation militaire qu'ils choisiront leur spécialisation. Tireurs de précision, grenadiers ou encore conducteurs de chars. Des métiers d'élite de cette armée de terrain. Rapidement, c'est un. Bon. Bon, ok, les mecs qui ont les mains pleines, il faut y aller. Je suis caporal. Rapidement! Allez, rapidement! Rapidement, là! Rapidement! Ok, tout le monde est là. Deuxième rotation. Ok, j'explique. Ici, là, ça va être zone de bivouac. Vous voyez là-bas? Là où il y a la section, là. La moitié de la section. Zone de bivouac, c'est là-bas. Point particulier, personne ne laisse traîner son arme. Personne ne laisse traîner son arme. C'est en permanence sur vous, jusqu'à la fin du terrain.
C'est bon ? Oui, allez, sergent. Je donne des bouteilles d'eau, après vous allez au faisceau. Allez, sur une colonne. Pendant deux jours, ils vont apprendre la vie de terrain, le cœur de leur futur métier de fantassin. Pour ces jeunes originaires de toute la France, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître et créer la cohésion dont ils auront besoin au sein de leur futur régiment. Tu viens d'où, toi ? Dunkerque. Vous venez de partout en France, en fait ? On venait de partout, et c'est ça qui est bien. Bah, il y a des personnes qui viennent de cité, il y en a qui viennent de campagne. Au moins, on est tous ensemble et on n'a pas tous la même vie. Quoi. C'est bien, ethnique voilà. Et culturel. Et si la parité n'est pas vraiment respectée, il y a tout de même une jeune femme parmi la quarantaine d'engagés. Descends jusqu'à la boule. Voilà, il faut faire boulasser comme jusqu'au menton. Voilà. Là, on ne fait pas un chinois africain. Non, je suis gros. Là, je te fais ça bien. T'essaies non, mais là, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, là. C'est bon. Là, je te jure, ça va. Malgré leurs différences sociales et culturelles, tous sont là pour les mêmes raisons. Il n'y a rien de plus honorable de servir son pays, en fait. Donc, et en plus, on est entre amis, on crée de la cohésion, on s'amuse tous ensemble. Et on va évoluer avec la maturité, etc. On va prendre de la maturité, de la confiance en soi, etc. Et puis, c'est pas un métier commun, quoi. Donc, c'est l'envie. On sert la France et voilà. Là, vous allez voir 5 ateliers, les gars. Donc, soyez bien attentifs. Vous avez eu les cours en salle de cours. Donc, écoutez bien et sachez ensuite restituer. On attend que les ateliers se mettent en place, là. Et ensuite, dispatching par groupe sur les différents. Groupe 5. Groupe 2. Groupe 42. Ouais, groupe 3 derrière le groupe. Groupe 36. Normalement, c'est les moments qu'ils aiment bien puisque c'est le cœur du métier. Après, pour eux, c'est le deuxième terrain et c'est le premier où on va dormir dehors. Donc là, ils vont découvrir le fait de dormir dehors. En plus, là, on a une météo qui est un peu pluvieuse. Donc c'est pas forcément le plus agréable. Mais normalement, ils vont apprécier. Répartis en groupe, les ateliers commencent. Quand soudain, la pluie s'invite. Pas trop compliqué sous la pluie ? Bon, on a l'habitude maintenant, c'est-à-dire on a plus l'habitude avec Dardin, il pleut tout le temps. Donc. Une contrainte qui fait partie de la vie d'un militaire sur le terrain. Un premier enseignement pour ces jeunes, l'adaptation. Pareil pour un grand comme moi, mettez-vous au milieu de la bâche. Non mais mettez-vous, sérieusement, mettez-vous au milieu de la bâche. Il y en a un grand là qui lève la bâche pour faire couler l'eau. Allez, continue. Voilà. Donc là, on va voir l'atelier communiquer, vous apprendre à transmettre par un moyen adapté à la situation, soit un ordre, soit un renseignement, de maintenir une communication, quelle que soit la situation. Une fois que la mission commence, on va utiliser on va être en ambiance discrétion, c'est-à-dire silence. Donc en silence, on utilisera les gestes. On va utiliser toujours sa main faible, parce que votre main forte, elle va tenir votre arme. Donc, sur patrouille, je vois quelque chose, je veux appeler mon chef d'équipe. Je tape sur mon casque et je montre 1 avec mon doigt, comme ça. Je tape sur mon casque, je montre 1, j'appelle mon chef d'équipe. Donc si on voit un personnel, quelqu'un à pied, on va faire le geste de quelqu'un qui marche avec les doigts. Toujours main faible, détaché du corps pour que ça se voit. Maintenant on veut savoir si c'est un ami ou un ennemi cette personne. Si c'est un ami, quelqu'un a une idée ? Pousse vers le haut. Pousse vers le haut, c'est un ami. Du coup, pousse vers le bas. Un ennemi. Chef d'équipe, il y a un personnel qui marche. C'est un ami ou c'est un ennemi. Véhicule, mettez le poing sur le côté, fermez et vous faites un cercle. Comme ça. Ça, c'est un véhicule. Halt. Se poster, s'arrêter. C'est important la différence. D'accord ? Quand vous voudrez donner quelque chose, on se postera toujours. Je me poste, j'appelle mon chef d'équipe, tout se fait au geste. Rien à la voix. C'est bon ? C'est bon. Pas en premier ? En tête. Deuxième. Ok, en avant. Les encadrants ont réparti des cibles cachées sur un parcours donné. L'objectif pour la patrouille est de les repérer et d'en référer aux gradés qui les accompagnent. Vous êtes à deux sur le même arbre. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop près.
Ces déplacements groupés, appelés formations, sont utilisés par l'armée lors de leurs différentes missions, en opération extérieure comme sur Sentinelle. Il est donc impératif pour ces jeunes d'intégrer et de maîtriser ces gestes afin de savoir maintenir la communication avec leur équipe, quelle que soit la situation. C'est les formations qu'on adopte en Sentinelle ou en Vigipirate. Qu'est-ce que tu vois? C'est une cible. Allez, bon, on est reparti les gars, si vous dites en avant, c'est en avant. On voit ce qu'on appelle les actes réflexes du combattant. Donc c'est vraiment la base du combat. Et chaque combattant est censé connaître ses 12 actes réflexes par cœur et savoir les appliquer. On recule jamais, on avance. L'intérêt de la pédagogie militaire, c'est bien de faire directement en extérieur où on voit vraiment l'application de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on apprend en salle de cours. L'objectif des premières semaines de cours et de ces ateliers est de créer des automatismes chez ces futurs soldats. Des réflexes qui leur seront peut-être un jour vitaux. Car la maîtrise parfaite de ces connaissances leur permettra de réussir à effectuer ces gestes, même lors d'un fort état de stress, comme lors d'une mission. Ils ont eu en gros 6 demi-journées. Donc ça fait 3 jours complets où ils n'ont fait que ça. On appelle ça le drill à l'armée. Donc c'est refaire et refaire les mêmes gestes pour que ça devienne des automatismes et même des réflexes. Et d'où le nom acte réflexe que l'on leur enseigne ici sur ce premier terrain. Changement d'atelier et changement de ton avec le caporal-chef Alexandre pour l'apprentissage d'un autre acte réflexe qui semble particulièrement intéresser les jeunes recrues. Donc avec moi, on va voir l'acte réflexe se camoufler. Se camoufler involontaire. Vous savez combien de temps on reste sur le terrain, les gars? Oui, caporal-chef. Oui, caporal-chef. Vous avez des lingettes, ceux qui sont oui, volontaires. Caporal-chef. D'accord. Mettez les grands derrière et les petits devant, quoi. C'est mieux pour qu'ils voient. Je vous montre. Le vert. C'est le plus important. Faut toujours en avoir. C'est le plus facile à dissimuler. Du vert, vous voyez, il y en a partout. Et vu que c'est le plus clair, c'est le moins voyant. Le vert, faut pas hésiter. Tu l'as pas payé. Moi, le vert, ce que je fais, c'est que j'en mets partout. Mais alors, partout. Ah non, mais vous rigolez, les gars. C'est ça. Les lèvres aussi. Quoi. Tout. Wow, je dirais Hulk. Tu sais quand ça sèche. Bon, voilà. Même les lèvres, tout, partout. Dans les oreilles, partout les gars, dans les oreilles. Parfois qu'on met des doigts dans les oreilles. Et là, vous allez voir, ça c'est magique. Merde, ouais, ça va être sympa à enlever. Ah, c'est génial. C'est génial. Surtout quand ça sèche, quand tu dors. T'en auras partout dans le duvet. Vaut mieux maintenant. Justement, j'ai pris le rétro. T'inquiète pas, je vais pas te crever un œil. Je fais pas des belles formes. Parce que c'est pareil, des formes linéaires. Ça, c'est que dans les films. Ça existe pas, sauf sur les zèbres. Rambo, puis d'accord. Si vous êtes dans les bois, les belles formes, ça existe pas. Donc faut vraiment tout casser. C'est pour ça que tu fais un gros tas comme ça là. Tac. T'es tout beau gros. Et t'étales. Tu fais pas un beau trait bien droit noir, c'est léger. Noir. Tu fais une petite tache à certains endroits. Tac. Ouais, moi Rambo, vous voyez, moi je vois pas. Rambo à la française. Attends, je vais prendre ton téléphone, je vais te prendre en photo et puis tu pourras voir ta petite tête, t'inquiète. Pour envoyer à maman. Tu sais comment on s'y prend? Je t'en prie. Regarde. C'est pas mal, hein? Non, c'est bien, c'est bien. Carrément, les dos dans le nez. Les oreilles sont dans le nez. Tu n'as pas mis dans mes oreilles et tout? Non. Vas-y, non. Vas-y, attends. Mais il faut en mettre un dans les oreilles et tout. Vous faites juste des traits directement au vert. Ah oui, hein? Ça, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je dois mettre du vert un peu. Ils sont pas mal, hein. Ils sont assez beaux quand même. Je suis quand même le plus mignon, mais faut pas le dire. Le jour décline vite. Les militaires en herbe reçoivent l'ordre d'installer leur campement. Tu fais le cours avec moi? Ça veut dire rapide. Ah, je vais donner les zones d'installation au chef de groupe et dans 5 minutes, mise en application. Reçu, sergent. Allez, Golf 4, rassemblez-vous derrière vos sacs. Tous les groupes là, allez au faisceau, vous mettez derrière vos sacs. Pour certains d'entre eux, cette nuit en extérieur va être une grande première. C'est quoi mon film de référence?
Je peux me mettre ta jacket. Non, le maître de guerre, les gars. Vous arrivez, vous adaptez, vous improvisez et vous dominez. On suit comme un chef. Faites, servez-vous un peu de vos ménages. Je vais vous mettre bien dans les bâches. Là-dessus, je touche. Allez, c'est parti. Ça va aller ? Ah, bah on sait pas, on attend de voir. C'est la surprise. Donc on va rigoler, on va se réchauffer. On va se réchauffer. On va se réchauffer. On va mettre du bug. Hâte, c'est un bien grand mot. Non, mais c'est bien, on va voir ce que ça fait de dormir dehors. Hein. Après, on verra bien comment la nuit va se passer. Hein. Ça va, on a le temps qui est avec nous, donc on va pas se plaindre. Hein. Pour certains, comme ce jeune homme originaire de la région parisienne, le dépaysement est total. Là, je ressemble à un arbre. Tu veux là. Je préférais être en ville. Mais après, c'est le métier de militaire. Donc. Après, il y a une bonne ambiance dans la section. C'est ce qui permet aussi de tenir dans des moments de doute un peu. Et voilà, on a signé pour ça. Tiens. Toutes les tentes sont pratiquement installées et la confiance regagne les rangs. Bah, je pense qu'on va être bien. Hein. Il fait pas trop froid. C'est très bien. Pourtant, à la tombée de la nuit, la pluie refait son apparition. Et cette fois-ci, c'est à grosses gouttes qu'elle s'abat sur le campement. Ça va, les bons ? Oui. Ah. Mais pas de quoi démoraliser nos jeunes soldats qui attendent leur tour pour percevoir leur ration alimentaire. La pluie est arrivée, hein. Malheureusement. On l'a tombé, hein. On le savait de toute façon, donc on va un peu subir, mais bon, c'est aussi le jeu encore une fois, et voilà, avec le sourire toujours. On en a déjà mangé, donc là on a de quoi vivre, on a de quoi manger, s'alimenter pendant 24 heures. Ce qu'il y a dedans, voilà, il y a des biscuits, des barres énergétiques, il y a une deuxième ration, on n'est pas prêt de mourir. Leur immersion ne s'arrête pas là. Ils vont devoir se relayer toute la nuit pour monter la garde. Une mise en condition réelle pour les préparer à la réalité de leur future vie de militaire. Vous allez entretenir le feu. Ok, le feu il s'éteint pas pendant la nuit. Et on économise le bois. Les personnels de garde ont en permanence leur arme sur eux. Les personnels qui montent la garde ont leur arme sur eux. C'est bon pour ça ? Oui, c'est bon. 1h30, 2h30, mon Présent, sergent. Présent, sergent. En s'engageant comme militaire, ils sont venus chercher un métier qui les passionne. Un choix de carrière et de vie au service des autres et de la France. Les attentats dont a été victime la France ont décidé de nombreux Françaises et Français à s'engager. Si certains ont pris l'option de la défense nationale, d'autres ont décidé de s'investir dans le secours, pour beaucoup à la protection civile. Créée en 1965 à la demande du général de Gaulle, cette association exclusivement composée de bénévoles a pour objectif d'assurer la protection des populations civiles contre les dangers en temps de paix comme en temps de crise. Chaque jour, ces 32 000 bénévoles aident au travers d'actions sociales, portent secours et forment la population aux gestes qui sauvent. Nice, sur la Côte d'Azur. Derrière son paysage de carte postale, depuis le 14 juillet 2016, Nice est une ville meurtrie. Nous rencontrons Ludivine, aide-soignante. Cette niçoise de 33 ans est aussi bénévole à la protection civile depuis 2015. Je me suis engagée à la protection civile, je voulais être formée à la base et comprendre un petit peu la dynamique de l'association. Et bien sûr, quand on s'engage dans une association de secours, on espère qu'il va y avoir de l'action sur les postes. Pas ce genre d'action, hein, bien sûr. On a été formés pour, mais on n'y est jamais préparé. Mon engagement derrière ça ne s'est plus compté en jours ni en heures. C'était je devais aider. J'ai pas hésité une seule seconde et je pense qu'on n'a pas hésité une seule seconde. La nuit du 14 juillet, Ludivine est au travail. L'hôpital dans lequel elle exerce se trouve sur la promenade des Anglais. C'est là que furent amenées les premières victimes. Plus on est formé, plus on n'hésite pas à agir. Bien sûr, la première chose à faire, c'est fuir. Et après, porter secours. Donc, ça aide aussi d'être à la protection civile parce qu'on voit la globalité du secours. Après une nuit d'horreur aux urgences, Ludivine décide dès le lendemain de continuer à aider les victimes et leurs familles. Cette fois au sein de la protection civile. Une manière pour elle de surmonter son choc. À
Alors qu'elle avait l'habitude de consacrer environ 20 jours par an à l'association, depuis la nuit du 14 juillet, elle a multiplié son temps de bénévolat par 4, avec maintenant 75 jours de présence. Quand on porte les couleurs de la protection civile, on se doit de maintenir une tenue correcte et obligatoire. C'est quand même, on est sous couvert de la sécurité civile, donc on représente une entité. Donc on rigole entre nous, mais quand on est, dès qu'on a l'uniforme, c'est strict et on respecte vraiment ce qu'on porte. Bon bah allez, on va s'équiper, hein. Changement de costume. Voilà. Changement de tenue. Donc il manque un dernier petit détail. Moi je suis de l'antenne de Nice, donc Protection Civile de Nice. Mais aujourd'hui c'est le département, donc on va mettre le logo 06. Celui-là, il est très important parce qu'on l'a eu suite au 14 juillet justement. Au lendemain du terrible attentat au véhicule Bélier qui a fait 86 morts et des centaines de blessés, les bénévoles de la Protection Civile ont été mobilisés pour venir en aide à la population. Pendant 17 jours, Ludivine et ses collègues se sont relayés pour accueillir, écouter et soutenir les victimes et leurs familles. Une épreuve qui reste encore traumatique pour beaucoup. Et aujourd'hui, ces bénévoles vont devoir affronter ce douloureux souvenir. Pour la première fois depuis le 14 juillet 2016, ils vont assurer les secours du carnaval de Nice, organisé sur une partie de la promenade des Anglais. Malgré un dispositif de sécurité hors norme, il faut rester vigilant. Car le carnaval de Nice, c'est un événement culturel de grande ampleur, le troisième plus important au monde, après Rio et Venise. Ludivine fait partie des 60 bénévoles mobilisés pour l'occasion. Afin de soutenir l'antenne locale de Nice, des bénévoles de toute la France ont fait le déplacement. Il y en a du monde. Ça va ? Bien et toi ? Nickel. Bonjour. Ça va ? Salut la belle. L'occasion pour Ludivine de retrouver la grande famille de la protection civile. Bon appétit. Merci, vous aussi. Il y a des gens de tous les départements. Il y a la Côte d'Or qui est là, il y a le Bas-Rhin. Il y a vraiment plein de départements qui sont venus nous soutenir. Ils viennent en renfort et ils viennent nous prêter main forte. Donc ils descendent pour le week-end souvent ou pour la semaine. Après, ils posent souvent des congés. Donc comme je le rappelle, on est bénévoles. Donc ils posent leur congé, ils prennent sur leur temps à eux et ils viennent à Nice. Quand il fait beau, ben, ça fait un tout petit peu des vacances. Donner de son temps aux autres, un engagement citoyen devenu pour certains une véritable passion. Des citoyens lambda qui nous offrent leur temps libre. Ça fait un peu plus d'un an que je suis bénévole à la Protection Civile. Ça fait 8 ans que je suis bénévole à la Protection Civile de Nice. Je suis bénévole depuis 2 ans parce que retraitée. Et j'ai décidé de donner des heures de bénévolat à la société et j'ai choisi la Protection Civile. Je suis assistante de direction, travail assez administratif on va dire. Pour être honnête, j'ai commencé le boulot hier, donc du coup je ne sais pas encore si c'est facile ou pas de jongler avec les deux. Aujourd'hui c'était un peu la course à pied mais on verra. C'est pas forcément évident mais ça s'organise, c'est que de l'organisation en fait, après c'est beaucoup... Ça vous tient beaucoup aux proches qui tolèrent qu'on passe beaucoup de temps à la protection civile et qui comprennent que c'est une passion. En fait. À la tête de tous ces bénévoles, Eric, directeur départemental et chef de dispositif sur cette nouvelle édition du carnaval. Face à la menace toujours présente, l'organisation des secours est rigoureusement millimétrée. PCO Carnaval, chef de dispositif. Bien reçu, on se tient au courant de l'arrivée des chars 5-10 minutes avant. Alors là, on fait un premier tour pour s'assurer, donc avec les chefs de secteur en contact, que toutes les équipes soient bien mises en place au bon endroit. On va s'assurer que tout le monde ait les bons indicatifs radio et les bonnes procédures radio. C'est surtout que s'il y avait donc le moindre malaise ou le moindre incident, chaque service puisse d'une manière optimale réagir efficacement et avec chacun donc dans la mission qui lui incombe. PCO Carnaval, chef de dispositif reçu. Un dispositif en collaboration. SAMU, police, pompiers et protection civile. Les maillons d'une chaîne de secours prêts à intervenir quelle que soit la situation. L'ensemble des bénévoles ont reçu des consignes très spécifiques pour la conduite à tenir
d'une situation classique, une victime, comme une conduite à tenir de ce que l'on appelle novice, c'est-à-dire nombreuses victimes. Il y a des procédures qui sont très claires, très définies, et chacun connaît son rôle et sa mission s'il y avait de nombreuses victimes à déplorer. Chef de secteur 1, ici chef de dispositif. Car maintenant, à Nice, il faut tout prévoir et s'attendre au pire. À la protection civile, les bénévoles ont été parmi les premiers à intervenir le soir des attentats du 14 juillet. Pour tous, la promenade des Anglais revêt une symbolique particulière. C'est forcément avec une pensée émue que Ludivine y revient. Ça va ? Mais les images, elles reviennent, hein ? C'est normal. Hein ? Mais bon. Le soir du 14 juillet 2016, j'étais au travail. Nous regardions le feu d'artifice par la fenêtre, hein, avec des patients. Et puis, quand on a appris la nouvelle, j'ai appelé tout de suite mes collègues de la protection civile et qui étaient en train de se mettre en place pour partir et venir sur les lieux du drame. Et nous, à l'hôpital, on est descendus aux urgences pour recevoir les premières victimes. Une nuit aux urgences, et dès le lendemain, Ludivine reprenait son poste de bénévole. Et à partir de 16h, j'ai été engagée sur le terrain. Et la mission de la protection civile après les attentats, pendant et après, ça a été de s'occuper des impliqués, des familles des victimes et des victimes eux-mêmes, de les orienter vers les services nécessaires, psychologues, police. Et ici, sur la promenade même, un très gros lieu de recueillement où des équipes étaient en place 24h sur 24 pour accueillir les gens, distribuer de l'eau, repérer les gens qui n'allaient pas et pouvoir les encadrer convenablement. Bien sûr, j'y pense. C'est la première fois que je remets l'uniforme sur la promenade des Anglais. Donc c'est une émotion particulière pour moi. Et on n'oublie pas. La stabilité dans le chaos, le symbole de l'insigne de la protection civile. L'accès à l'intérieur de l'enceinte sécurisée va bientôt être donné. À l'extérieur du dispositif, la foule commence à s'amasser. Dans quelques heures, ce sont entre 45 000 et 50 000 visiteurs qui viendront remplir ces gradins. Vous n'avez pas de la tête qui tourne ? Et pour Ludivine, le travail commence. Un homme venu assister aux festivités a fait un léger malaise dans la file d'attente. Est-ce que vous voulez nous suivre jusqu'à l'ambulance pour être pas devant tout le monde ? Je me dis que ça sera peut-être mieux, non ? Ça va ? Ça va toujours ? Ça va, oui, je marche. Vous rentrez en VIP ? Arrivé dans le poste de secours, le patient semble déjà aller mieux. Par mesure de sécurité, Ludivine et ses collègues effectuent tout de même quelques tests. Je suis obligé de prendre votre fréquence respiratoire. Oui. Allez-y. Vous venez chaque fois ? Non, c'est la première fois. Et vous êtes d'où ? Je suis de Saint-Étienne. Ah, un Stéphanois. Voilà. Allez, les verts. 14 de tension, c'est quoi votre tension d'habitude ? 39. Donc on est bon. Mais là, on est debout. Hein, pour cet homme, ouais, oui. Tout va bien. Je vous demande quand même votre tension. La dernière fois, ça devait être prêt. Bon. Il y a des équipes sur tout le périmètre, ouais, à peu ouais. près tous les 500 mais mètres. Donc vous n'hésitez pas si ouais. jamais vous avez besoin. Hein. Le jour décline sur la promenade des Anglais. Les 14 chars du défilé sont prêts à partir. Pour un événement d'une telle ampleur, les contrôles aux entrées ont été renforcés. Passage sous un portique, fouille des sacs, les spectateurs se plient à ces mesures de sécurité exceptionnelles. Il commence à y avoir un petit peu de monde, mais le tour est presque fini, donc on est pratiquement prêt, tout le monde est en place. Le coup d'envoi du carnaval ne va pas tarder. La nuit s'annonce longue pour les 60 secouristes de la protection civile. Une nuit sous pression qu'il va falloir gérer. L'élan vers les métiers de l'uniforme s'est surtout constaté dans les rangs de la Garde nationale. Créée en novembre 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale représente un vivier de près de 72 000 réservistes. Des hommes et des femmes issus du civil qui ont reçu une instruction militaire, prêts à venir renforcer les effectifs de la gendarmerie, de la police et des armées. En moyenne, plus de 6 000 d'entre eux réalisent chaque jour des missions. Alors, qui sont ces réservistes ? Nous allons suivre les derniers jours de la formation initiale de l'un d'entre eux. C'est à Saumur, sur la piste de l'aérodrome de la ville, que nous rencontrons Thibaut, 17 ans.
Cet endroit, il le connaît bien, puisque c'est sur ces pistes que le jeune homme a appris à voler. Et ce dimanche, comme à son habitude, c'est toute sa famille qui l'accompagne. Thibaut est un virtuose des airs. Il a obtenu sa licence à tout juste 15 ans, en devenant le plus jeune pilote de France. Maman, 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 tu peux me dire les lumières ? Attends, j'allume. Oui, Thibaut, c'est bon, Thibaut, il y a tout qui fonctionne. À quelques minutes du décollage, la concentration du jeune pilote est au maximum. Donc là, je vais faire les vérifications de l'avion. Quand même une partie cruciale du vol, parce que ça nous permet de voir s'il n'y a pas d'impact. Je vole essentiellement pour la passion, que vraiment que j'apprécie beaucoup, donc forcément, ça me pousse vraiment à avoir envie de continuer et c'est pourquoi j'aimerais bien faire mon métier. Ouais. Dans l'armée, par exemple, ce serait quelque chose qui m'intéresserait quand même beaucoup. S'engager dans l'armée pour embrasser une carrière de pilote de chasse. Une voie d'élite où la sélection est drastique. En 2016, il n'y avait que 56 postes à pourvoir en France. Alors pour s'entraîner, Thibaut vole dès qu'il le peut. Aujourd'hui, c'est sa petite sœur Victoire qui en profite. Malgré ses 17 ans, Thibaut a très vite voulu allier sa passion du vol à sa volonté de servir son pays. Et c'est naturellement dans les forces de l'armée de l'air qu'il a souhaité s'engager. Le nombre d'heures de vol, je dois être aux alentours de 80. Là, forcément, j'ai acquis pas mal de confiance et de compétences. Il a déjà effectué une partie de sa formation initiale dans la base aérienne de sa région, où il espère bien pouvoir mettre ses compétences à contribution. Le fait de m'engager, de vouloir m'engager dans l'armée, c'est aussi ma manière de réagir aux attentats qui ont été faits contre la France, contre le pays. On a tous une place, enfin un rôle à jouer et être pilote, ça pourrait me permettre d'avoir un rôle important. Thibaut souhaite intégrer la célèbre école de l'air de Salon de Provence, la seule de France qui forme les pilotes de chasse. Pour y arriver, il est prêt à tout. Son engagement en tant que réserviste est aussi une façon de montrer sa motivation à ses futurs recruteurs. Summer Fox 9 au Québec, au parking, je quitte la fréquence, au revoir. Merci Thibaut pour le vol. Avec plaisir. Lorsqu'il ne plane pas à 6000 mètres d'altitude, Thibaut étudie. En terminale S, spécialité maths, il va passer son bac dans quelques mois. Une année chargée pour le jeune homme, qui n'hésite pourtant pas à prendre du temps sur ses vacances scolaires pour terminer sa FMIR, la formation militaire initiale de réserviste. Il a déjà passé une semaine dans une base aérienne. Demain, il y retourne pour 5 jours. Mes chaussures. Non, tu trouves tout. Oui, je suis en train de regarder l'inventaire. Et... Je t'avais sorti des pansements, parce que si t'as des ampoules... Ah bah, je les ai mis dans... Des serviettes. Mais tu penses qu'avec mes chaussures, ça passera bien dans la valise ou pas? Bah, ou faut que je prenne un sac à côté? Je me dis qu'il n'y a pas tous les jeunes qui feraient ça, parce que ça lui prend quand même sur ses vacances une semaine où il ne va pas non plus être au Club Med. Il va faire beaucoup de marches, du sport, se lever tôt, se coucher tard. Ils n'ont pas droit au portable de toute la journée. Bon, bah, à 17 ans, parfois, on a du mal à faire ça, donc je trouve que c'est plutôt... Je suis assez fière qu'il s'engage comme ça pour son pays et puis pour après avoir des missions de réserviste plus tard. Malgré son statut de futur militaire, Thibaut reste avant tout un adolescent, avec une maman inquiète de ce que va manger son fiston. Après, t'as raté tes packs militaires, d'ailleurs, il t'en reste un dans l'armoire. Tu te rappelles, t'es des trucs de... Ah oui, c'est vrai que j'avais rapporté une ration de combat. Il avait ramené sa ration de combat, c'est quand même assez... Il reste des trucs en plus. Il reste des trucs encore. C'est quoi ça? Ah oui, des cafés lyophilisés. Ça, c'est les capsules pour le réchaud. Ah oui. C'est vrai que c'était marrant. Du coup, on avait gardé. Tout est rangé parfaitement dedans. Quand, au moment où on ouvre, il n'y a vraiment plus de place. Il n'y a pas un centimètre de ouais. Trou. Voilà ce qu'est une ration militaire. On en a mangé pendant 3 jours. Et moi, j'ai bien aimé. Ouais, bah, super, c'est meilleur que chez maman. Bon, bah, c'est bon, t'as bouclé ta valise? Ouais, tout est bon, j'ai tout. Super, bon, alors...
prêt à partir? Faudra pas se coucher trop tard. Ouais, je suis prêt. On s'en va, Thibaut, demain? Oh, déjà, il va où? Bah, il va venir. Ah. Ouais, c'est demain, on verra plus pendant une semaine. Le lendemain, à la base aérienne de Tours, lieu de la formation des futurs réservistes. Forte d'un effectif total de 2300 militaires et civils, employés chaque jour à la mission de protection du territoire, cette base est l'un des postes de contrôle du ciel français. Car il n'y a pas que nos frontières terrestres qui peuvent représenter une menace. Le ciel est en permanence surveillé par des radars et les militaires peuvent agir à la moindre alerte. L'armée de l'air effectue quelques 200 interceptions par an. Et c'est au bruit des avions qui décollent que le groupe de volontaires est accueilli par l'un des sergents qui mènera leur instruction. Ok, bon, pour rouper les rangs, je vous laisse 5 minutes. En tenue. Tenue, vous n'oubliez pas le ceinturon. Vous mettez tous vos effets, les poches fermées, toutes les poches fermées, rien qui dépasse. Et puis voilà, donc à 45 ici, on y va chez vous. C'est parti pour 5 jours de formation, et ça démarre vite. La plupart de ces futurs réservistes sont étudiants dans le civil et n'ont pas l'habitude de la vie de caserne. Pas évident pour eux de se remettre dans le bain et de se plier à la rigueur militaire, à commencer par le port de l'uniforme. Je me suis trompé de bouton aussi. Là, on est dans la chambre qu'on va tous partager pendant les 5 jours. On va essayer de la tenir le plus propre possible. C'est pas maman qui fait le lit. On est obligé de le faire tous les matins et bien respecter la disposition parce qu'il y aura quand même des vérifications de la chambre, je pense, pour que ce soit au top. Thibaut ne croit pas si bien dire. Car leurs encadrants ont une semaine pour faire d'eux de vrais militaires et ils ne laissent visiblement rien passer. Fix ! Oh là 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 là, j'ai vu un truc que j'avais encore jamais vu de ma vie. Le vernis à ongles rouge, demain il n'y en a plus. Ok ? Ici, pas de traitement de faveur pour ces jeunes. Ils doivent entrer dans le rang. Au niveau des bras, je rappelle qu'on balance les bras au moins à 45 degrés. Et derrière, loin derrière. D'accord, on balance les bras loin derrière, le bras à 45 degrés. Quand je vois les bras, on dirait que faites vos courses en ville. Non, les doigts sont tendus. Les doigts sont tendus. D'accord, les doigts sont tendus. Lorsqu'on marche, le 1 c'est le pied gauche, le 2 c'est le pied droit. Pied gauche, j'ai envie d'entendre le pied gauche taper le sol du talon avec le pied gauche. Pas de question ? Allez, il reste 10 minutes, c'est parti. Pour ces jeunes, plus habitués à porter des baskets, il n'est pas si évident de marcher au pas. Ce stage va leur permettre d'apprendre l'organisation, la discipline militaire, mais aussi la topographie, les transmissions, le tir et le combat. Des notions essentielles qui leur permettront de valider leur formation pour devenir réservistes opérationnels dans l'armée de l'air. Leur rôle sera alors de renforcer ponctuellement les effectifs de la base aérienne et de remplacer si besoin leurs camarades militaires de profession. Alors tout est mis en œuvre pour les plonger dans l'ambiance. C'est que je suis en commandant, regardez-vous, on paye rien. Tout le monde salue, voilà, et quand je baisse, tout le monde baisse. Voilà, tu viens là et tu fais comme si j'étais une autorité. Entrez. Du coup c'est aviateur. Par contre, tu te remets au garde à vous. Voilà. Aviateur, à vos ordres, sergent. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre par groupe de deux. Il y en a un qui va faire l'autorité et l'autre faire l'autorité. Dans l'armée, la politesse est la base de tout. Alors Thibaut et ses camarades doivent maîtriser à la perfection l'art de se présenter. Aviateur, mes respects, lieutenant. Mon lieutenant. Mon lieutenant. T'es sûr ? Ouais, c'est mon lieutenant. Aviateur. Première 2018, à vos ordres de capitaine. Vous pouvez disposer. Je suis en train de travailler leur présentation. C'est important dans le sens où s'ils ont besoin de s'adresser à une autorité, à un grade supérieur, donc c'est important qu'ils sachent se présenter devant tout le monde correctement. Aviateur Thibault, à vos ordres, mon colonel. Repos, vous pouvez disposer.
Malgré leur jeune âge, tous ont volontairement décidé d'endosser l'uniforme avec une même envie, servir leur pays. J'en ai entendu parler par mon frère qui est militaire et du coup je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler et de se rendre utile en fait. Mais le plus important pour ces jeunes, c'est de donner un sens à leur engagement. Bah, plus tard j'aimerais bien m'engager dans l'active et du coup bah, en attendant je me rends utile. Déjà c'était pour être capable de... Bah, pour savoir que je pouvais me défendre et défendre les autres. Et c'est vrai que bah, quand j'ai vu par exemple tous ces attentats ou les choses comme ça, bah, ça donne envie de pouvoir défendre les autres et de pouvoir montrer qu'on fait partie de notre pays aussi. Suite aux attaques de Charlie Hebdo et de l'hypercacher en janvier 2015, le renfort des réservistes est devenu indispensable aux forces armées. Alors qu'avant les attentats, ils n'étaient que 460 à être employés chaque jour, depuis 2016, ils sont plus de 800 à participer à des missions de protection du territoire. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la vingtaine de nouveaux réservistes. Ils vont officiellement rejoindre les rangs de l'armée de l'air en signant le premier contrat de leur vie. Date, signature et la signature. Ils signent leur contrat FMIR du coup. Donc le programme prévisionnel et le contrat d'engagement. Pour l'instant, c'est un an, vu qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne prend que pour un an pour le moment. Je suis assez contente de pouvoir signer. Ça va enfin dire que je suis réserviste. Là, oui. Sur le visage de ces jeunes, de larges sourires. Oui. Car tous ont à cœur de s'engager. Une main-d'œuvre utile et volontaire qui répond donc à une véritable demande sur le terrain. L'objectif de recrutement de la Garde nationale, mis en œuvre depuis maintenant 3 ans, est d'atteindre les 85 000 réservistes en 2018. Alors, allez-y, asseyez-vous. Aujourd'hui, vous êtes comme moi, comme nous ici, nous sommes tous des militaires. Et vous avez signé aujourd'hui votre premier contrat, engagement à servir dans la réserve. Et pour cela, je vous félicite. Je vous rappelle que vous êtes donc des réservistes. Vous faites maintenant partie de la Garde nationale. Donc dans un premier temps, encore toutes mes félicitations, je vous remercie. Pendant 4 jours, Thibault et ses camarades vont devoir faire preuve de discipline et de rigueur pour valider leur préparation militaire. Du corps à corps au stand de tir, leur formation ne sera pas de tout repos. Retour au carnaval de Nice. 3, tout le monde, 2, 1, bon carnaval ! Depuis les attentats du 14 juillet, la ville est en alerte. Ce soir, la foule est impressionnante. Alors, pour les secouristes, la concentration et la vigilance sont de mise. Ludivine et son équipe n'ont pas vraiment le temps d'apprécier le show. Ludivine, explique-moi ce qui se passe là. Apparemment, on a quelqu'un qui a fait un malaise. Donc on va sur le terrain pour... C'est par là. J'ai une pointe devant. Ouais. Comme la voiture. Ok, ouais, je vois. Dans les zones. Vous avez un traitement? Non, j'ai pas de traitement en dessous. D'accord. Non, il n'y a pas de traitement. Leur patient du soir est un policier en civil, engagé sur le carnaval pour prévenir d'éventuels dangers et assurer la protection de la population. Un travail de terrain, fatigant et stressant. C'est pour voir le pouls et la saturation en oxygène. Hein. Des douleurs particulières? Non, juste cette sensation. J'en parle justement avec mon patron. Ouais, juste vraiment cette pointe de là à là. Ouais. C'est vrai qu'il a fait une attaque cardiaque, c'est un truc comme ça. C'est gastrique. Et une pointe là. Et une pointe derrière les omoplates. Vous n'avez pas fait d'effort physique ce soir? Non, on a fait 2 filatures. Pas d'essoufflement? Non, juste une petite tachycardie. Ok. Regardez-moi. Je suis tachycarde. Donc il a un pouls à 110 alors qu'il est au repos. Donc on peut pas le. On le met au repos. Et la tension est un peu élevée aussi, au-dessus de 14. Donc on appelle le médecin et là on a le médecin du SAMU qui arrive et qui va lui faire un bilan plus approfondi. Le médecin a rejoint l'équipe de secouristes pour effectuer un électrocardiogramme à la victime. Il est attaché sur le brancard? Non, pas encore. Pour le CG là. Tu peux lui donner ton bilan complémentaire? Ouais. T'as repris, ouais?
bilan complémentaire, le doc, il a fait les deux bras. D'accord. On fait une évac, c'est confirmé. Ouais. Le médecin fait le choix d'évacuer le patient vers l'hôpital le plus proche. La chaîne de secours a bien fonctionné, le rôle des bénévoles s'arrête là. À l'intérieur du poste de commandement, Eric prend note de toutes les interventions effectuées. Donc c'est une victime à réguler par le médecin. C'était une demande d'assistance, donc tu peux la cocher toi. Rouvre l'intervention. Depuis les attentats, Eric a remarqué un changement de mentalité dans les populations. Les formations de la protection civile attirent de plus en plus. Aujourd'hui, les Français ont envie de connaître les gestes de premier secours pour savoir réagir, se sentir utile et être prêt en cas d'attaque terroriste. On a eu vraiment un nombre d'appels, de courriels importants suite à cet événement du 14 juillet où les gens se sont sentis dans la nécessité de connaître et de maîtriser un petit peu ces gestes de première urgence pour les autres, mais souvent ils nous ont dit pour eux-mêmes également. Apprendre les gestes qui sauvent, un acte citoyen pour sa propre sécurité et celle de tous. Donc là, on est sur le point de regroupement des victimes, donc qui est capable d'accueillir donc, des victimes en urgence absolue, donc sur cette partie-là, et en urgence relative, donc sur cette partie-là, notamment des victimes qui pourraient faire des malaises, être mis au repos et sous surveillance pour éviter justement de les envoyer vers un centre hospitalier s'il n'y a pas de plus-value. Heureusement, ce soir, les lits prévus pour l'accueil des victimes sont restés vides. Le carnaval touche presque à sa fin. Pour Ludivine et Eric, les deux Niçois, c'est le moment de profiter un peu du spectacle. Ouais, oui. C'est qui la reine ? La reine ? Je sais pas, j'ai pas vu. Tu l'as pas encore vue ? Elle est derrière. Elle est derrière le roi. Malgré la tristesse encore présente dans le cœur de tous, c'est en un avenir meilleur que Ludivine veut croire. La ville reprend vie petit à petit. Et cette année, on réouvre le carnaval sur la promenade. Donc c'est... La ville revit. L'objectif de la protection civile est de continuer de former le plus de gens possible aux gestes qui sauvent. Un engagement au sein de la sécurité civile qui prouve que solidarité et altruisme ne sont pas des mots vains. Le traumatisme des attentats a touché tous les secteurs des forces de l'ordre. La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale est par exemple passée de 24 000 à 30 000 personnes entre 2015 et 2017. Tous les citoyens à partir de 17 ans, hommes et femmes, peuvent s'inscrire à cette réserve en validant une préparation militaire. Ensuite, ils pourront effectuer des renforts en brigade au même titre que les gendarmes professionnels. Même uniforme, même arme et même mission. Nous sommes en Seine-et-Marne, en région parisienne. C'est ici que Philippe vit et travaille. Ce jeune homme de 26 ans est chariste depuis bientôt 7 ans. Mais sous des allures discrètes, ce jeune homme a en fait une double vie. J'ai fini ma journée en tant que chariste en intérim. Et là, je vais retourner à mon véhicule pour rentrer chez moi et après, en fin d'après-midi, retourner en mission de gendarmerie dans une brigade. Philippe est engagé dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie depuis plus d'un an. Il effectue des missions de renfort dès que son agenda le lui permet. Car dans la réserve, on choisit le nombre de jours que l'on dédie à l'État. En moyenne, les réservistes sont employés une trentaine de jours par an. Chaque journée est indemnisée en fonction de son grade. Philippe touche, lui, 55 euros par mission. Mais le jeune homme reste conscient qu'engager sur le terrain n'est pas sans danger. Je me sens utile et... En gendarmerie, tous les jours, c'est une mission différente. Ça peut être une mission banale, comme ça peut prendre des ampleurs. Tous les jours, il n'y a aucun jour qui se ressemble. Et c'est ça qui est bien. Pas forcément peur, parce que les risques sont partout, même sans avoir la tenue, les risques sont partout quand même. Et c'est vrai qu'avec la tenue, on reste une cible un peu plus importante. Mais non, le but, c'est de ne pas avoir peur. On est là justement pour aider la population à pas avoir peur. Et nous, on peut pas se permettre non plus d'avoir peur. Alors, dès qu'il le peut, Philippe n'hésite pas à se porter volontaire. C'est en fonction des demandes aussi que la gendarmerie fait. Il y a des mois où je vais en faire que un ou deux. L'année dernière, j'ai fait pas mal de renforts, 210 renforts dans l'année, en comptant mon déplacement à Saint-Martin.
À peine quelques mois après sa formation, Philippe s'est inscrit pour faire partie des 147 réservistes mobilisés pour intervenir à Saint-Martin suite au passage de l'ouragan Irma en septembre 2017. Une mission de 3 mois et demi pour venir en aide à la population qui l'a convaincu dans sa volonté de servir au sein de la gendarmerie. Lorsqu'il ne travaille pas en tant que cariste, il n'hésite pas à s'inscrire sur les plannings de disponibilité pour effectuer des jours de réserve dans les brigades de son département. Ce soir, c'est à Lizy-sur-Ourcq qu'il vient prêter main forte à Anne-Sophie, gendarme depuis 4 ans, et Béranger, chef de patrouille. Vas-y, je te laisse mettre ton étui. Philippe connaît déjà les lieux, car c'est l'une des unités où il a fait le plus de missions depuis la signature de son contrat d'engagement en tant que réserviste. Lors de sa préparation militaire effectuée en octobre 2016, Philippe a obtenu son certificat d'aptitude au tir, lui permettant de porter une arme de service, dont il effectue lui-même les contrôles de sécurité. Oui, j'ai plus l'habitude de les manipuler maintenant, c'est bon. On travaille régulièrement avec les réservistes et ce qui est agréable, c'est que c'est souvent les mêmes. Il y a une certaine fidélité au niveau de la brigade, du coup, ils savent comment on travaille, on sait comment ils travaillent, c'est agréable. Ça permet aussi de créer un contact avec le milieu civil, parce que du coup, ils en parlent peut-être un petit peu dans leur famille, etc. Ça fait un lien et on passe pas toujours pour le méchant gendarme qui verbalise. Donc, voilà. Pendant 4 heures, les 3 collègues vont patrouiller dans les secteurs sensibles, à l'affût du moindre danger. Car l'histoire nous l'a malheureusement appris, un attentat peut arriver n'importe où, n'importe quand. Pour y faire face, les gendarmes doivent être 3 lors des patrouilles de nuit. Alors l'apport des réservistes sur le terrain est très apprécié. L'activité va reprendre gentiment. Moi ça fait... Ouais, même le mois dernier j'ai mis des disponibilités. Mais... Bah après c'est une question de budget. Hein. C'est vrai que nous ça nous fait du bien d'avoir les réservistes. C'est un plus. Au moins on voit d'autres personnes et... Ça tourne les équipes, du coup, c'est pas plus mal. Après, que le réserviste apporte aussi un regard extérieur qui fait qu'on a une autre vue sur une situation et ça peut, des fois, débrouiller une situation et ça simplifie les choses. Qu'importe la mission, Philippe a son rôle à jouer. Même sur les contrôles routiers. Ah, j'ai attendu pourtant. Prendre aussi l'assurance. Non, 17, c'est là. C'est l'autre que vous aviez en main. Ah là. Donc il est assisté au niveau du contrôle de ma collègue. Merci bien. Qui est habilité, contrairement à Philippe, à pouvoir passer les personnes au fichier, etc. Et elle l'appuie dans sa mission de contrôle. Et moi je me mets en retrait un peu en amont du dispositif. Et en fait j'ai un rôle de couverture, donc je suis là pour les renseigner s'il y a un danger qui vient derrière eux. Des formations complémentaires permettent à certains réservistes d'être officiers de police judiciaire. Philippe, lui, n'a que sa formation de base. Il n'est pas habilité à s'occuper des tâches administratives et judiciaires. Pourtant, lorsqu'il porte l'uniforme, aucune différence visible pour les conducteurs. Au niveau contrôle, c'était bien. Faites juste attention à ne pas passer devant le véhicule. Quand le moteur est tournant, faut toujours se dire l'avant du véhicule, c'est ce qui est dangereux. Donc fais attention à ça. Et sinon ton contrôle était bien. Donc tu t'es pas mis en danger sur la route ou quoi que ce soit, c'était nickel. Voilà. Alors Philippe effectue son travail avec beaucoup d'attention. Sans monsieur. Gendarmerie, vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît. Vous présentez les papiers et véhicule. C'est bien. Chaque fois qu'il a travaillé avec nous, il travaille en sécurité. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'au niveau de sa formation, il a déjà été bien éduqué. Et puis nous, au niveau de notre travail avec lui, c'est vrai que dès qu'ils arrivent, je parle des réservistes en général, dès qu'ils arrivent au sein de la brigade, quand c'est leur première fois au sein de notre unité, on essaie de les prendre sous notre aile et vraiment de les mettre en confiance et de leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout bon, je vais vous remettre en circulation. L'implication des réservistes sur le terrain est un réel soutien pour les gendarmes de carrière. Comme tous les membres de la garde nationale, Philippe a suivi une préparation militaire avant de pouvoir partir en mission. Mais il était alors bien loin d'imaginer que son engagement serait à ce point bénéfique. Quand tu étais en PMG, tu t'attendais à ça sur le terrain, à faire les missions que tu fais actuellement avec nous.
Je m'attendais plus à faire pas rester en brigade que de faire de la patrouille. Ouais, je pensais que c'était vraiment du truc. Prendre le téléphone, répondre aux appels. Voilà, au début c'est ce que je pensais. Après c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on soit autant sur le terrain. Du coup ça te. Tu prends ça positivement le fait d'être sollicité, d'être dehors ou En gros, sans oui, je préfère le travail du terrain que le travail de bureau. Ça n'a rien à voir. Appliqué, attentif, Philippe apprend de chaque sortie sur le terrain. Des qualités que Béranger, gendarme depuis 7 ans, sait mettre à profit. La patrouille de 4 heures touche presque à sa fin. Quand soudain, Béranger donne l'ordre à Philippe d'accélérer et de couper à travers les terre-pleins. À leur arrivée sur place, le fuyard a disparu. Seul reste un jeune homme, mineur. C'est la police. C'est bizarre, il nous a vu, il est parti en courant, il est monté sur le quad et... Bah, parce qu'il a peur. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on est méchant. Non, mais... Lors du contrôle, Philippe reste silencieux et attentif. L'homme semble posséder des stupéfiants. Vous me disiez que vous avez rien vu, rien entendu, et que les stupéfiants, c'est pas vous. Avec l'odeur, comme quand on vient de fumer un joint... Vous pouvez juste retourner vos poches. Vous voyez le paquet de cigarettes, remonté. Malgré leurs recherches, l'équipe ne trouve rien sur les lieux et le jeune homme ne semble rien cacher sur lui. Après une dizaine de minutes, il décide de le convoquer à la gendarmerie et le laisse finalement repartir. Au revoir. Il y a eu un petit moment d'action là. Ouais. Ça fait du bien, ça remet en condition. Et alors c'est dans ces moments-là que tu te sens dans ton rôle de réserviste un peu. Ah oui, là c'est sûr, oui. Parce que bon, en plus en ayant le volant, ça, bon, c'est moi qui devais le suivre, donc c'est pas mal. C'est peut-être un petit coup d'accélération. Le but de cette convocation va être d'obtenir l'identité du fuyard qui aurait emporté avec lui les stupéfiants. Une enquête dont Philippe, qui termine son service dans quelques minutes, ne connaîtra pas l'issue. J'aimerais bien voir la suite de ce qui s'est passé, quoi. Bon, après c'est... Enfin, on peut pas être là non plus tous les jours, donc on peut pas... bien ce que je fais en tant que cariste, et j'aime bien aussi ce que je fais en gendarmerie. Donc après, c'est ça aussi qui est pas facile. Après, c'est sûr que bon, il y a plus d'implication en gendarmerie qu'en cariste. Cariste, c'est vrai que c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Donc après, c'est vrai que c'est... La gendarmerie, c'est bien pour ça, c'est que c'est toujours nouveau. Enfin, c'est jamais la même chose. Ça m'apporte pas mal de choses en plus. Aujourd'hui, Philippe n'aura eu qu'à gérer des petits délits du quotidien. Mais il le sait, il pourrait un jour être amené à intervenir sur des actes beaucoup plus graves, comme des attentats terroristes. C'est terminé pour ce soir. Ça va, je suis en forme. C'était une bonne journée. Il est 23h30. Philippe est sur le point de terminer sa deuxième journée de travail. Il va pouvoir rendre son arme et tomber l'uniforme. Voilà, enlever l'uniforme et mettre le troisième uniforme, le pyjama. Pour aller dormir. Bonne nuit, hein. Espérant que ce soit quand même pour vous. Oui, à plus, Philippe. Ouais, à plus. Bah, du courage encore. Oh, bah. Prudence sur la route, bon retour. Et puis à bientôt. Ouais, ça marche. Très vite. À plus, Philippe. Ouais. Bon retour. Merci. Retour à la base aérienne de Tours. C'est ici que sont formés de futurs réservistes de l'armée de l'air. Et aujourd'hui, ces jeunes entrent dans le vif du sujet. Ils vont recevoir leur premier cours de corps à corps. Dans l'armée française, on appelle ça les TIOR, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée. Fatigué ? Non, sergent. À gauche. Gauche. Mais visiblement, faire du sport dès l'aube n'est pas évident pour tout le monde. Croise les jambes, devant, derrière, devant, derrière.
On commence par des pistons de 4L et on finira par des pistons de Ferrari. Allez, c'est parti, en place. On pense à respirer. Allez, 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 allez. Allez, on est presque à fond. Allez, pistons de Ferrari, c'est parti. On envoie, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et top, je relâche. Ok, soufflez. Le plaquage au sol. Vous allez tout simplement, en fait, remplacer les pieds par vos mains. Les mains vont venir prendre la place des pieds. Donc ça veut dire que mes pieds, il va falloir les envoyer derrière et venir amortir avec mes mains. J'envoie derrière, je vais au sol. Ok, donc vous avez vu comment je suis. Un pied fléchi derrière, une jambe tendue derrière et les mains qui sont venues amortir sur le sol. Allez, plaquage au sol. Allez, debout. Rapidement, on se relève. Plaquage au sol. Voilà, c'est bien, c'est mieux. Les mains prennent la place des pieds. Donc le but du jeu, c'est de se protéger et c'est pour ça qu'on leur montre un petit peu comment se protéger un minimum. Les tiors sont inspirés d'une multitude de sports de combat, de la boxe au judo, en passant par le Krav Maga israélien. Le but de ce cours est de les initier à ces techniques de combat rapprochées, utilisées lors des opérations extérieures ou de protection du territoire. Je refais doucement, on le fait doucement, il me pousse. Pam, je tombe, je pose le genou au sol, je descends sur les fesses, ici j'arrondis. Je garde ma jambe en direction de l'assaillant, en distance de sécurité, et les mains ici. Donc si jamais il n'avance pas et qu'il est suffisamment loin, tout de suite, je me redresse. Ok ? Tu en avais déjà fait du tir ? Non, jamais encore. Ouais. C'est la première fois, là. Tous les cours. Et pour l'instant, on n'apprend que les bases, mais ça va, c'est sympa. L'enjeu pour ces jeunes est avant tout d'apprendre à se défendre en utilisant des moyens adaptés à la situation. Pour le moment, difficile de les imaginer sur le terrain en opération sentinelle. Pourtant, ils pourront y être amenés dans quelques mois. Pour l'instant, ils ont 5 jours pour apprendre tous les rudiments du corps à corps. Si t'attends qu'ils soient là, c'est trop tard. Voilà. Par contre, quand tu le dis, il faut être convaincant. Le but du jeu, c'est effectivement de savoir réagir en cas d'attaque. Donc c'est pour ça qu'on leur fait tout ce genre de petites séances, de façon à pouvoir réagir correctement. Pour pouvoir un jour participer à la défense de leur pays, les jeunes réservistes doivent d'abord terminer cette semaine de formation militaire initiale. Et leur programme ne s'arrête pas là. Nous les retrouvons devant l'armurerie de la base. FMB, sortez du rang, reformez une section devant. C'est la première fois où vous allez percevoir une arme à feu. Il y a des opérations de sécurité à faire, vous ne les connaissez pas. Je vous les apprends tout à l'heure. D'accord ? La seule chose que je vous demande, c'est d'annoncer haut et fort que vous avez perçu une arme. Vous êtes le premier à passer, vous annoncez 1, le deuxième 2, le troisième 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous l'annoncez haut et fort, je veux savoir combien d'armes j'ai perçues. Entendu ? Oui, mon lieutenant. Merci. Il n'y a pas besoin de mettre le doigt, vous le mettez, hop, comme ça, là. Si ces jeunes ont déjà reçu une instruction sur l'armement lors de leur préparation militaire, c'est la première fois qu'ils vont avoir en main une véritable arme de guerre. Un FAMAS, le fleuron de l'armée française. L'encadrement à moi. Allez, allez, on perçoit. Pour l'instant, les armes qui leur sont confiées ne sont pas chargées. Car avant la pratique, ils vont devoir passer par la théorie. Une instruction de plus de 5 heures, suivie d'un test permettant de valider les acquis et d'obtenir un certificat d'aptitude au tir. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'on va mettre les armes en faisceau. Donc pour faire ça, vous tirez sur les languettes. Des FAMAS pour les sortir, les pieds, hop, de chaque côté, allez-y, faites-le là. Tout le monde est les pieds comme moi. Toujours vers le haut, s'il vous plaît. C'est bon ? Vous avez eu une sensibilisation normalement l'année dernière avec l'armement, avec le FAMAS. Je vais reprendre tout ça. De manière à ce que cela devienne clair et limpide pour vous.
Ce son-là, je veux l'entendre à chaque fois. Les gestes de sécurité, le fonctionnement, le chargement de l'arme, ces jeunes doivent connaître leur arme sur le bout des doigts. Un bon moyen d'effacer l'appréhension face à cet objet de guerre. Pour eux, ça va être une première manipulation. Ils sont aussi un petit peu effrayés, parce que c'est aussi la première fois où ils vont mettre en œuvre une arme qui est prévue pour donner la mort, une arme de guerre. Et c'est là un petit peu notre objectif, c'est de les amener à pouvoir servir l'arme correctement, en sécurité, de manière à ce que cette première découverte se passe dans les meilleures conditions. Et afin de valider leurs connaissances, ils doivent passer un nouvel examen. CATI, c'est le certificat d'aptitude au tir. Sans ce certificat, ils n'auront pas accès au stand de tir et donc ne pourront pas terminer leur formation de militaire. Installez-vous, à vos crayons. Devenir réserviste, ce n'est pas seulement maîtriser le terrain. Il faut aussi emmagasiner des centaines d'informations. Sur les visages, la concentration est au maximum, car tous ont bien compris l'enjeu de cette évaluation. Pour obtenir leur certificat, ils devront avoir une note au moins supérieure à 10 sur 20. La moyenne dans les rangs de l'armée de l'air est de 12. Pour Thibault, habitué au banc de l'école, la tâche ne semble pas insurmontable. Normalement, si on a bien écouté, c'est bon. C'est que des questions de cours, il n'y a rien à inventer. Le lendemain matin, devant le stand de tir. C'est en rang que les jeunes attendent leur tour pour effectuer leur premier exercice au FAMAS. Tous ont validé leur test de la veille avec succès et vont donc pouvoir enfin s'entraîner. Une grande première qu'ils attendent avec impatience. Par rapport à tous les cours théoriques qu'on a eus, normalement tout devrait bien se passer, on a eu les règles de sécurité, tout ça, donc non, je m'en fais pas. Je pense que ça va être une bonne expérience, même si ça risque d'être un peu impressionnant. Je suis assez pressé quand même d'essayer le FAMAS. C'est par groupe de 4 que les premiers s'avancent. Ils vont pouvoir tirer 10 cartouches au fusil d'assaut. Et pour que l'exercice se passe dans les meilleures conditions, leurs encadrants restent vigilants à tous leurs faits et gestes. Mettez-vous en position, habituez-vous à l'arme. Cette jambe-là en arrière. Voilà. Les épaules un petit peu plus en avant que le buste. Voilà, pour donner un peu. Voilà. Et la jambe arrière un peu plus décalée. Voilà, faut donner du poids sur l'arme. Sûreté, pas de doigt sur la détente. Pour un tir FAMAS d'aguerrissement de 10 cartouches à 50 mètres, commencez le feu. Les premiers coups de feu retentissent. Une expérience unique pour ces adolescents qui se retrouvent pour la première fois confrontés au bruit de la guerre. L'image peut paraître choquante, pourtant ces jeunes seront peut-être un jour amenés à tirer en conditions réelles pour protéger leurs concitoyens. Halte au feu ! Fenêtre apparente. Aviateur de réserve. Tir terminé. Tir terminé. Sécurité vérifiée. Ok, merci. Cessez le feu. Au résultat. Une première fois, il s'en est bien sorti. Il a pris son temps, c'est ce qu'il faut. Il a bien respecté les opérations de sécurité. Tout a été bien fait. Attentif aux conseils qu'on lui a donnés pendant le tir. Donc pour une première, c'est très bien. Maintenant, on va voir le résultat si ça s'est passé aussi bien que prévu. J'ai mis 6 cartouches sur 10. C'est moins évident que ce qu'on pense quand même. Et l'arme est un peu lourde, donc à la fin, ça devenait assez dur de viser. Ouais, je suis content. C'est quand même une bonne expérience. Et, j'ai vraiment l'impression d'avoir franchi une étape de plus dans la formation de réserviste, donc je suis satisfait. Le soleil se couche sur la base aérienne 705. Pour leur dernière soirée avant la cérémonie militaire qui viendra clôturer leur semaine d'instruction, les futurs réservistes ont une toute autre mission. S'occuper du barbecue. On respecte les règles de sécurité. Ne jamais pointer le briquet vers quelqu'un. Mais elles sont bonnes les braises. Je sais pas, je les ai pas goûtées. Là c'est le moment de convivialité. La soirée cohésion. Oh bah là elle est belle la cohésion. Pourtant, à l'arrivée du colonel, plus un rire dans la salle. Oh, fixe.
la preuve que l'autorité face à leur supérieur est une notion bien intégrée. Repos. Tout va bien ? Oui, mon oui. Collègue. Qui c'est qui veut arrêter ? Personne ? On saura vous employer, on saura prendre soin de vous, faire attention à vous. Donc ce soir, une petite soirée cohésion, un repas ensemble pour échanger, pour continuer de se connaître, pour que la famille continue de s'agrandir et qu'on soit en mesure, en cas de problème de l'un d'entre nous, de pouvoir l'aider. Donc sans autre formalité, je vous invite à prendre place. Je rappelle toutefois que je travaille encore sur les affectations et que j'aime bien les merguez avec des chips. Donc si vous voulez me servir, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir. Merci, mon colonel. Demain, ils intégreront enfin la garde nationale et rejoindront les quelques 36 000 réservistes du ministère des Armées. Cette soirée est donc l'occasion pour eux de se familiariser avec leur nouvelle vie de réserviste. C'est quoi le but d'une soirée comme celle-ci, par exemple ? C'est ça, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de répondre aux questions, parce que forcément, ils ont beaucoup de questions. Et donc, eh bien, les cadres se promènent de table en table pour essayer de nouer un dialogue et d'expliquer ce que c'est qu'un réserviste et ce qu'ils peuvent nous apporter. Ce soir, extinction des feux, pas trop tard, pour que demain, on ait des champions qui défilent devant leur famille et que tout le monde soit fier. Le grand jour est arrivé pour Thibault et ses camarades. C'est la première fois depuis la levée de l'état d'urgence que la remise des insignes va se faire en dehors de la base aérienne. C'est avec le sourire et un peu d'excitation que ces futurs réservistes montent dans le bus qui les emmène vers le lieu de la cérémonie. Normalement, ça va être au top. Et on a quand même pas mal marché, pas mal chanté cette semaine, donc il n'y aura pas de soucis. C'est en uniforme et en armes qu'ils vont défiler devant leurs proches qui les découvrent pour la première fois en véritable soldat. C'est bizarre hein, de le voir comme ça. Du coup, je ne l'ai même pas reconnu, j'ai cherché pendant un moment. D'un seul coup, je l'ai vu. Et moi aussi. Je me suis dit, tiens, bah, ça lui va bien. À gauche, gauche, opposé, arme, repos. Je suis contente de le voir. Je ne regrette pas d'avoir d'être cette levée tôt aussi. Garde à vous. Pour la vingtaine de volontaires, cette cérémonie marque le début de leur nouvelle vie de réserviste. Cette cérémonie marque la fin de votre formation militaire initiale de réserviste et votre entrée officielle dans l'armée de l'air que vous avez choisi de servir en qualité de réserviste opérationnel. Au drapeau. Et c'est par la traditionnelle présentation au drapeau des nouveaux soldats que se termine cette cérémonie pleine d'émotions pour les jeunes recrues et leurs proches. Je suis émue parce que je trouve que c'est vraiment une cérémonie qui n'attendait pas à ça. Et puis je trouve que voilà, ça fait partie de l'armée de l'air. Donc voilà, je me dis ça y est, les réservistes. Je dirais que c'est presque émouvant un petit peu. L'engagement de ces jeunes est la preuve que dans une société de plus en plus individualiste, certains ont à cœur de défendre l'intérêt général. C'est avec fierté que ces réservistes vont pouvoir porter l'insigne de la base aérienne qui les a formés. Insigne de chevalier de l'ordre national du mérite. La pression redescend un petit peu ? Oui, mon colonel. Très bien. C'était très bien, très professionnel. Merci. Porter cet insigne, c'est un vrai honneur pour moi. Je suis enfin arrivé à l'objectif que j'attendais. Les vagues d'attentats que connaît notre pays depuis 2015 ont fait prendre conscience à la population qu'elle n'était pas assez formée aux premiers secours. Dès janvier 2016, dans toute la France, les casernes de sapeurs-pompiers ont ouvert leurs portes et sont allées à la rencontre de la population pour dispenser les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Et être un citoyen impliqué, ça commence dès le plus jeune âge. Direction l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne. C'est à Redon
que nous rencontrons Mario, 12 ans, à la sortie de son collège. Il fait partie de la trentaine de collégiens volontaires pour intégrer les cadets de la sécurité civile et devenir secouriste. Depuis la rentrée, Mario suit une formation à la prévention et aux gestes de sécurité réalisés sur son temps libre. Ce dispositif soutenu par l'État est mis en œuvre dans une vingtaine de collèges et de lycées de France. L'objectif est de permettre à ces jeunes d'acquérir des réflexes dès le plus jeune âge. Allez. Tu me mets le couvert, Mario ? Le mercredi, c'est la cour. C'est ta... T'as quelle séance, là, Mario ? Les arrêts cardiaques. Mais c'est ta quatrième séance. Ouais. D'accord. Comment t'as entendu parler des cadets de la sécurité civile ? C'était ma prof principale, elle m'en avait parlé. Et du coup, bah, j'étais intéressée. Ça me plaît d'apprendre des trucs pour ma famille, par exemple, si... un accident ou des trucs comme ça, pour les autres. Dans la famille, nous ne sommes pas du tout pompiers bénévoles. On n'est pas du tout engagés dans les métiers de la sécurité. On ne connaît rien du tout aux gestes de premier secours. Et voilà, donc c'est l'occasion pour lui, pour Mario, de se former, parce que nous, on ne sait pas faire. Cette formation est en partie dispensée par les professeurs de son établissement scolaire, mais surtout par des professionnels de l'urgence, les pompiers. Se former avec les pompiers, c'est aussi préparer la société de demain, que les jeunes soient sensibilisés non seulement aux questions de sécurité, aux premiers gestes, mais aussi se former en tant que citoyen. Et ça, je trouve ça super parce qu'en fait, ils donnent d'eux. C'est de l'investissement et l'idée, c'est de former des belles personnes. Direction la caserne de Redon. Malgré leur engagement, ces jeunes volontaires restent avant tout des enfants, pas toujours très disciplinés. On est où là, Mario ? La caserne. S'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Vous connaissez la règle du jeu, vous rentrez dans la caserne, milieu professionnel, on peut avoir des départs en intervention. Je vous demande de bien respecter, d'accord ? Malgré leur jeune âge, le programme de cette formation est très complet. Il leur permettra d'obtenir un diplôme de secourisme de niveau 1. Ce que je vous propose, c'est de vous asseoir. Alors face à leur formateur, les cadets sont très attentifs. Comment là, face à une plaie simple, qu'est-ce qu'on fait face à une plaie simple? Oui, mais avant l'impansement, oui. Ah, comment? Avec de la bétadine. De l'antiseptique. De l'alcool. On désinfecte, voilà, ça se joint avec un antiseptique, ok? C'est quoi une boulure? Donc en fait, rappelez-vous la définition, c'est une lésion de quoi? De la peau. De la peau. Des voies aériennes. Et quoi d'autre? Et des voies digestives. Apprendre à réagir face aux accidents de la vie courante, hémorragie, plaies, brûlures, malaise ou encore arrêt cardiaque, des gestes qui sauvent et qu'il est essentiel de connaître, surtout quand son pays est menacé. On pourra venir en aide des personnes en danger. Sauver des personnes. Sauver des personnes. Par exemple, dans un attentat ou des trucs comme ça. Ou assister à un autre secouriste. Peut-être parce que pour ceux qui veulent être pompiers, ça va les aider encore plus. Et notre culture générale aussi. Ouais. Oui, médecin. Pour toute situation en France, les secours d'urgence ont un délai moyen d'intervention de 13 minutes. Un délai incompressible pendant lequel un citoyen formé peut et doit être le premier maillon de la chaîne de secours. Si la France a encore du retard dans ce domaine, le choc et la médiatisation amenée par les attentats ont mis le grand public devant le fait accompli et lui ont brutalement fait comprendre qu'il était nécessaire de devenir acteur de leur propre sécurité et de celle de tous. Regarde les événements qu'on a connus en France ces dernières années, mais je dirais plus largement dans la société en général, on se rend compte qu'on a besoin d'une population engagée, tout simplement pour qu'elle puisse s'impliquer elle-même dans son propre système de secours. En inculquant les bons comportements et les gestes de premier secours aux jeunes générations, on se dit que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, ça sera des choses totalement intégrées dans le fonctionnement sociétal et que les jeunes ne se poseront pas de questions pour aller se former d'une part, se recycler d'autre part et éventuellement intervenir s'il le faut. Car le but de cette opération est bien de créer une véritable éducation de notre société à la résilience, dont les cadets seront de futurs ambassadeurs. Donc le capitaine a dû vous dire que c'était des faux mannequins ? Oui.
Pas de soucis, je vous le répète encore une fois, ça coûte cher, on fait attention. Allez, donc vous vous mettez autour. Un au milieu de la poitrine, oui. Voilà, et là, regarde Noah, il n'y a rien qui te gêne. Ah, bah oui, donc le bras te gêne. Alors le bras, soit tu le mets en hauteur, voilà, soit tu le ranges délicatement. Hein. Ça reste un bras quand même. Hein. Bien penché au-dessus. Alors vas-y, regarde. On fait 30 et 2 insufflations après. Du haut de leurs 12 ans, Mario et ses camarades sont conscients de l'importance de leur engagement. On est fiers de nous de savoir faire une réanimation cardiaque, c'est pas non plus rien, tout le monde ne sait pas le faire. Et du coup, c'est un peu glorifiant de savoir que nous, on peut le faire et que nous, on sait le faire. Jusqu'à quand on fait des compressions et du bouche à bouche ? Jusqu'à ce Si la personne tousse, bouge, si elle respire, effectivement, on arrête. Et qu'est-ce qu'on fait à ce près ? On le console. Ça va bien. Alors réfléchissez un petit peu, vous êtes des secouristes quand même. On la met en PLS. Ça veut dire ? Voilà. Les gens ne sont pas nécessairement formés et sensibilisés, puisqu'on leur a dit depuis des décennies qu'en cas de problème, il fallait composer le 18 et que les pompiers allaient arriver. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient sur la nouvelle génération pour leur donner un cadre, ce cadre de la sécurité civile, où ils vont devoir déjà faire quelque chose en attendant l'arrivée des secours, se prendre un petit peu en charge et surtout essayer d'aider les autres. Voilà. Si on avait davantage de personnes qui étaient sensibilisées à l'avenir, ça améliorerait quelque part nos interventions, puisqu'il y aurait déjà des gestes ou des comportements adaptés qui auraient déjà été en fait mis en œuvre avant qu'on arrive. Sur les jeunes cadets, la formation semble déjà porter ses fruits. Des connaissances pour savoir sauver éventuellement des vies et même pour poser des gens qu'on connaît pas, ou des gens qu'on connaît, ou des amis, par exemple, dans la cour. Ça va ? On sert son pays. Quoi ? On sert son pays, on est citoyen. Donc ne courez pas dans la caserne, vous dites au revoir au chef de centre, vous dites au revoir au formateur, et vous pouvez rejoindre vos parents. Merci. À mercredi prochain ? Bonne journée. Ok, ça marche. Dans la salle de cours, rapidement, d'accord ? Je suis en salle de cours. Qu'ils s'appellent Thibaut ou Philippe, les 72 000 réservistes de France participent à notre défense. Un engagement qui ne faiblit pas. Chaque jour, la garde nationale reçoit en moyenne 50 candidatures. Et l'État espère atteindre les 85 000 réservistes en 2018. Dans les associations de sécurité civile, les bénévoles comme Ludivine apprennent à sauver des vies. Chaque année, grâce à eux, 400 000 Français sont formés aux gestes de premier secours. Des citoyens ordinaires qui ont fait de leur quotidien un engagement extraordinaire.